Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside pour une vidéo consacrée à Otherside, un jeu de stratégie au tour par tour qui sortira le 28 juillet sur PC, PS4, Xbox One et normalement dans la foulée sur Switch, même si la date n'est pas encore arrêtée. Donc Otherside, c'est un jeu qui s'inspire évidemment beaucoup de XCOM. Mais qui a aussi d'autres influences. Moi au niveau design, ça me rappelle beaucoup le manga Blame. Ça, c'est pas forcément, on va dire, la référence la plus évidente. Et c'est aussi un jeu qui reprend des mécaniques de roguelite. Donc il y a beaucoup de petites choses à dire. Mais je vais assez rapidement aller sur, on va dire, le cœur du gameplay. Et puis on parlera du reste après. Au niveau du contexte, en fait, nous sommes dans un monde un petit peu bizarre, et un personnage appelé la mère a pendant des centaines d'années protégé notre réalité d'horreur qui venait d'un monde parallèle a priori. Donc elle protégeait ce qu'elle appelait le voile, et elle a échoué. Et désormais, ce sont ses filles, donc on va uniquement incarner le personnage féminin, ce sont ses filles qui vont se charger d'arrêter ces monstruosités. Donc le design du jeu est extrêmement marqué. Ça, vous allez avoir l'occasion de le voir, comme vous voyez, hein, c'est vraiment très, très classe. Et voilà, moi, les personnages me rappellent pas mal le manga Blame du dessinateur Nihei, mais aussi scénariste, même s'il n'est pas forcément particulièrement doué en la matière. Pour détailler un petit peu, en fait, comment dire, le scénario du jeu reste assez cryptique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va se dévoiler au fur et à mesure de votre progression, de vos parties. Donc vous allez débloquer des choses concernant un petit peu l'historique des événements, vous voyez, avec différentes périodes. Donc il y a pas mal de petites choses à débloquer. Vous allez aussi en apprendre plus sur les personnages qui peuplent le monde, donc la mère écarlate, la mère, les différents personnages que l'on peut créer. Donc voilà, il y a un vrai background sur le jeu qui est intéressant, mais qui se dévoile de façon très progressive au fil de vos parties. Je parle de parties parce qu'évidemment, comme c'est un roguelite, c'est un jeu dans lequel en fait vous allez régulièrement échouer et devoir recommencer. Alors, comme toujours, il va y avoir des éléments que vous allez perdre, il va y avoir des éléments de progression constante qui, eux, vont rester. Donc, sachez que le jeu se découpe en jours, et là, je viens juste d'affronter au septième jour un boss. Il me semble qu'il y en a 6 ou 7 dans le jeu. Donc, vous allez progressivement, voilà, faire des combats classiques chaque jour. Vous allez pouvoir proposer, en fait, ce qu'on appelle des synapses. Donc vous allez avoir 3 missions, il faut au moins en réussir une pour pouvoir passer au jour suivant, mais vous pouvez en tenter plusieurs. Évidemment, chaque mission, vous voyez, il y a des types, il y a de la survie, c'est par là que je vais commencer parce que c'est un gameplay qui est classique, ça va me permettre de parler tout en vous expliquant les choses. Je vais prendre peut-être Aimée parce qu'elle est balèze, elle n'est pas en super santé, je reviendrai là-dessus, mais elle est costaud. Et puis on va prendre quelques autres personnages. Donc il y a 3 classes parmi lesquelles vous pouvez choisir. On a ce que j'ai pris en premier ici, donc les chasse-esprits, c'est des personnages avec des flingues. On a les maîtres lames, donc qui sont orientés vers l'attaque, qui ne sont pas super résistantes. Et on a les garde-foi qui, eux, ont un gros bouclier. Donc, je vais le prendre ici. Est-ce que je vais au-delà des 3? On va essayer de se débrouiller comme ça. Je vous expliquerai à peu près pourquoi. Mais on va essayer de partir avec 3 personnages. Ce sera suffisant. Je vais vous montrer les 3 classes. We must prepare to pay any price. Donc, comme vous allez voir, hein, le jeu a un design visuel extrêmement marqué qui est à la fois une bénédiction dans le sens où vraiment il confère au jeu une identité visuelle assez unique. Et puis, c'est très classieux. Vous allez voir ça. La contrepartie, c'est que il n'y a pas forcément, malgré une variété dans les environnements, il n'y a pas une. Il y a une certaine uniformité, on va dire, qui, sur le long terme, sur la répétition des parties et des combats, finit un petit peu par peser, d'autant que certains environnements se répètent. Donc, alors, en termes de mécanique de jeu, là, vous voyez, c'est tout simple. Il va falloir que je survive jusqu'à ce que la zone de fuite soit disponible. Donc la zone de fuite, j'ignore
à quel endroit elle se situe, donc ça va être un petit peu chaud, il faut essayer de rester au centre au départ. Donc là, on voit mes personnages et l'ordre dans lequel ils vont passer, idem pour celui des ennemis. Donc ce qui se passe, c'est que déjà mes personnages, à chaque tour, disposent d'un certain nombre de points d'action. Donc là, c'est un personnage qui est un petit peu boosté, il a 120 points d'action en général. Sur les autres personnages, c'est plutôt de l'ordre de la centaine. Et avec ces points d'action, je vais pouvoir me déplacer. Vous voyez, si je vais aller là, ça coûte 17 points. Et je vais pouvoir utiliser des attaques. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de me focaliser sur ce personnage qui est assez énervant. Il a beaucoup de points de vie et il peut attaquer à distance et empêcher mon personnage de bouger. Donc là, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu pour être à distance d'attaque. Vous voyez, si je me mets là, je vois qu'il y a une petite épée qui apparaît sur la tête de l'ennemi. Ça veut dire qu'il est à portée de tir. Donc, je vais me contenter de faire ça. On va revenir, on va se déplacer là. Et là, je dispose de différents types d'attaques. Alors, en gros, il y a trois types d'attaques. On a les attaques qui sont ce qu'on appelle là les actions immédiates, c'est-à-dire que ça va me coûter 25 points d'action. Je vais attaquer, je pourrais réattaquer derrière, je pourrais me redéplacer derrière, il n'y a pas de souci. Donc, il en existe plusieurs comme ça. Vous allez les débloquer hein, au fur et à mesure que votre personnage prend des coups. Donc, ça, c'est un type d'attaque. Il y a ensuite des attaques qu'on appelle différées. Vous verrez ça avec une autre classe de personnages. Ce sont des attaques qui nécessitent un temps de charge, qui sont évidemment plus puissantes, mais pendant ce temps de charge, je risque d'être éventuellement interrompu. Voilà. Mais les attaques différées ont aussi une possibilité d'être attentiste, c'est-à-dire que je peux attendre pour une attaque différée. Je peux attendre qu'un événement se produise, par exemple qu'un allié soit touché ou qu'un ennemi se rapproche, passe à portée. Donc voilà, les attaques différées, ça met fin à votre tour immédiatement, vous ne pouvez plus rien faire derrière, mais vous avez un bonus de puissance. Et le dernier type d'attaque sont des attaques qui, vous voyez là, au lieu d'avoir un coup en point d'action, j'ai un coup en point de vie. Donc ça me coûte rien en point d'action, je peux le déclencher quand je veux. Le problème, c'est que bah, ma vie va baisser et la vie, elle ne se regagne pas si simplement que ça, on va en reparler plus tard. Donc, c'est des attaques qui sont extrêmement puissantes. Là, vous voyez, c'est un tir à l'interception. C'est-à-dire qu'au moment où un ennemi va être attaqué physiquement, si c'est dans ma zone d'action, je vais interrompre cet ennemi en lui tirant dessus. Le problème, c'est que ça me coûte des points de vie. Donc là encore, des attaques encore plus puissantes, mais qui coûtent des points de vie. On va voir, la ressource est coûteuse. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, vous voyez, je vais lancer une attaque de rafale qui fait quelques dégâts. Alors, à ce stade, un point qui est important, c'est que vous voyez ma barre d'action. Quand je vais choisir ici une attaque, vous voyez qu'en bas, je vois à quel moment ici mon personnage va revenir en termes d'action. Donc là, j'agis. La prochaine fois que j'agis, c'est à ce stade-là, donc après tous les ennemis. Tant que je reste à moins de la moitié de ma barre d'action, je vais pouvoir revenir en jeu rapidement. C'est-à-dire que là, il me reste, je suis à 87, ça me laisse le temps de refaire une attaque à distance sur cet adversaire. Ce que je vais faire. Voilà, il est presque mort, mais il n'est pas complètement, c'est dommage. Vous voyez, là, je suis à 62. Si je refais une attaque, c'est-à-dire si je passe sous la barre de la moitié de mes points d'action, sous la barre des 50, on peut voir qu'en bas, mon personnage, au lieu de réagir à ce moment-là, il va agir beaucoup, beaucoup plus tard. En fait, dès qu'on tombe en dessous des 50 points d'action, on passe dans un état de rage, ce qui nous permet d'enchaîner un plus d'action, donc de faire plus de dégâts, mais après, on devra agir beaucoup plus tardivement. Donc parfois, il vaut mieux économiser ses points d'action, ne pas franchir ce seuil des 50 pour pouvoir agir de nouveau rapidement. Et dans d'autres situations, ça va valoir le coup parce qu'on va pouvoir tout simplement éliminer un adversaire. Là, vous voyez, il lui reste pas beaucoup de points de vie. J'ai des ennemis qui vont se rapprocher. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ou pas? Donc là, sachant qu'il est à distance, et que ça, c'est un adversaire qui, même s'il peut se déplacer, n'aura pas l'occasion derrière lui faire une attaque, je vais prendre ce risque. Ça va me repousser loin, mais entre-temps, il ne va rien se passer d'autre. Il va y voir, là, ça, c'est l'apparition de nouveaux ennemis, mais j'ai encore un délai. Donc je vais prendre ce risque. Faire ça. Je l'élimine. Et puis, tant que j'y suis, ma foi, je vais regarder si je peux pas me rapprocher un peu plus. Vous voyez, je fais un petit écart, MS 37, 25. Si je vais là, je dépense 12. Non, ça vaut pas le coup.
Je vais m'arrêter là. Les points d'action vont être plus tardifs, mais c'est pas très grave. Eux, ils peuvent s'approcher là. Je vais les laisser venir. À ce stade, gagner du temps, c'est pas une mauvaise chose. Donc là, vous voyez, parmi les attaques, je vous parlais tout à l'heure, des actions différées. Ce personnage a une action différée. Donc quand on la déclenche, ça met tout de suite fin au tour. Mais par contre, ce sera une attaque extrêmement puissante. Donc on va un petit peu accélérer. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Déphasage, ça c'est du tour. Je vais être en attente. C'est un jeu qui, comparé à des titres comme XCOM ou bien comme Gears of War, je parle de la version récente hein, qui était en stratégie temps réel. Gears of War en stratégie temps réel était très axé sur l'agression. On allait à fond sur les adversaires, on chargeait. Là, c'est absolument pas le cas. C'est un jeu où il faut être très conservateur dans ses mouvements, dans ses attaques. Il faut éviter les victoires à la Pyrrhus. On va revenir dessus. Il faut perdre le moins de vie possible et faire en sorte, si possible, que ces unités ne tombent pas au combat. Alors, on reprend. Là, comme vous voyez, hein, c'est tout de suite ma maître lame qui réattaque. Mon personnage qui utilise mon chasse-esprit, qui utilise les deux flingues, elle devra agir plus tard à cause de cet excès de points d'action que j'ai fait au tour précédent. Donc, on va se focaliser sur lui. J'ai le choix entre plusieurs choses. Je peux me déplacer avec un déphasage, mais je vais tenter une lame éclair. Ça va me faire 30 d'attaque et ça va me rapprocher directement. Et puis, je vais enquiller avec une entaille à 30 PA. Ça, c'est pas bon. Non. Les deux attaques me font passer en dessous. Ce n'est pas forcément le bon plan. Quand est-ce qu'il réagit? Alors, voilà, vous voyez, il va réagir là. Donc, si je m'arrête là, c'est pas très grave parce que mon personnage aura le temps de refaire une action avant. Donc, c'est purement de la gestion de temps, hein, comme ça. Vous regardez sur la barre, là ça vaut le coup pour moi d'arrêter. Avec lui, qu'est-ce que je peux faire? Pom, pom, pom. Si je me déplace ici, je vais dépenser 20 points d'action. Et derrière, je pourrais enchaîner avec un estoc. Le problème, c'est que c'est un adversaire qui est puissant, mais une fois encore, si je m'arrête en dessous des 50 points d'action, elle aura le temps d'agir de nouveau au pire. Donc c'est exactement ce que je vais faire. On va se déplacer là. Faire une attaque, ah, je peux même faire. Hein. Alors là, la situation n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si je considérais par exemple qu'il agit avant moi, que c'est problématique, je pourrais utiliser cette attaque qui, comme vous le voyez, cible l'unité, fait des dégâts moindres, mais lui enlève 25 points d'initiative. Donc ça aurait reculé son ordre de passage, ce qui m'aurait permis évidemment derrière d'enquiller une autre attaque. Donc faut gérer à la fois les types d'attaques et l'ordre de passage. Ça, on va dire, c'est la couche de base du jeu. Donc là, je suis à 50, je vais m'arrêter là. L'élément qui, derrière, peut être plus intéressant, c'est que on a donc toutes ces postures attentistes que je ne vais pas forcément utiliser là, pour le coup. Là, je vais me contenter de faire du ménage. Ici, il lui reste 281 points de vie, vu ce que je retire par coup, ça devrait l'achever. Même si il m'en reste une. Et puis je peux refaire une rafale tranquillement sans. Voilà. L'autre personnage, lui, est un petit peu loin. Pour l'instant, je vais rester où j'en suis. On va finir le tour. Alors, on revient sur celui-ci. Donc, mon problème, ça, c'est un personnage qui peut faire mal, 541. En termes de déplacement, si je vais là, ça me coûte 27. Derrière 30, j'aurais pas assez. Par contre, si j'utilise le déphasage, je peux me téléporter à proximité. Voilà. Et derrière, je peux faire une entaille. Je reste à 55 points d'action. Ça va me permettre normalement de l'achever sans pour autant diminuer, ralentir mon personnage et on enquille. Donc là, c'est un combat, comme je vous disais, qui ne peut pas être gagné. Alors ça, c'est une vraie plaie. C'est un combat qui ne peut pas être gagné. Il faut juste que j'attende le compte à rebours. Donc vous voyez, 145, donc j'ai encore un petit peu de temps. Il va falloir que j'aille chercher ces créatures. C'est embêtant, mais j'ai pas trop le choix.
Il y a celle-ci qui arrive. Je vais rester à proximité avec cette unité. Je préfère pouvoir la gérer à son apparition. Voilà. They worship Voilà. torture and call it science. Voilà. Ouais. Dans ce coin-là, j'apprécie pas trop ce qui est en train de Stand se back or développer. Il be va caught in falloir que je regret. fasse l'effort d'aller les chercher. 120. Si je peux me rapprocher, parce qu'en me rapprochant ici, j'en ai deux à porter. 24 points d'action. Je vais prendre le risque. En priorité, je vais essayer de fumer avec une rafale cette unité-là. C'est pas assez. Je vais encore prendre le risque de repousser très loin, mais. No mercy. Donc là, de toute façon, je suis en rage, je suis passé en dessous, donc tant qu'à faire, Memories autant once walked away from us. commencer à entamer celui-ci. Et là, je peux pas aller plus loin. On va le ramener lui, elle plutôt. Alors oui, hein, vos unités ne sont que des femmes. Voilà, il y a quelque chose dans l'histoire qui est vraiment très très axé sur on va dire sur le statut de femme, et c'est quelque chose qui va être développé au fil des découvertes que vous allez faire sur le contexte hi historique du jeu et sur le personnage de mère qui chapeaute un petit peu tout ça. Mais oui, il y a vraiment une espèce de guerre des sexes sous-jacente à prendre en compte. Je vais réutiliser le déphasage qui permet de me rapprocher pas mal à moindre frais. Ok, 15, je tombe à 85. Il lui reste combien? Il lui reste beaucoup. Si je me rapproche encore d'un, je passe 7 PA. Ouais, je suis à 78. Je vais voir si j'utilise la lame imprégnée. Je l'intercepte avant qu'il agisse. Je ne suis pas sûr que ça suffise à lui faire un dégât, mais vous voyez, elle charge son épée là. Se charge. Alors, on est sur lui. Ben, ma foi, on va tenter de les stock. Dans l'impact, il réagit quand il repasse. Ah, il passe bientôt en phase d'action. Et 545. Normalement, si je fais des coups d'estoc 3 fois 256, oui. Ça suffit à faire le ménage. Shred them down. Je vais me rapprocher un petit chouïa sans passer en dessous de la barre des 50. Alors là, si vous voyez hein, le compte à rebours 96, on voit ici, sur la ligne temporelle, le 96. Ça va m'indiquer à quel moment je vais pouvoir sortir et où je vais devoir aller en espérant que ce sera pas trop loin, que ce sera dans un endroit dégagé. Parce que si je suis au milieu des lignes, voilà, là j'ai eu le coup qui était retardé, ça a fait le ménage. Par contre, lui, il peut attaquer très loin. Et là, c'est un petit peu ce que je redoute. Donc, je vais essayer de me rapprocher. En plus, il a des dégâts qui sont pas négligeables. C'est un risque. C'est un risque que je prends. Est-ce que je vais là ou pas? Si je vais là, il va avoir le temps d'attaquer. Je vais plutôt me mettre en retrait. On va revenir là. On repassera en action plus tard parce que je voudrais être centré. Voilà, ça c'est le problème. Aïe. Je suis paralysé. Alors, ouais, là, ça va pas du tout. Comme vous voyez, toutes ces petites mains qui viennent d'apparaître sur la timeline, ça indique qu'il va y avoir des monstres qui vont popper. Là, on les voit. Tac, 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 tac. Ils sont un petit peu partout, hein. Pop, 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 pom, pom. Ils vont apparaître, et évidemment, ils vont apparaître juste avant que la sortie n'apparaisse. Donc, je vais rester pour l'instant en phase d'attente. Tant pis si ils sortent. Allez, on finit le tour. Okay. Alors ça, c'est des petites saletés. J'aime beaucoup, hein, le design de toutes les unités. Elles sont très classieuses, à la fois inquiétantes. Il y a un côté à la fois un petit peu alien, mais aussi un petit peu renaissance bizarre. Certains des adversaires qu'on affronte ont des looks de médecins, vous savez, avec ces masques un petit peu en bec de corbeau, ce genre de choses.
Dans certains décors, là, c'est un décor qui est très organique, hein, une fois encore plutôt à la Geiger. Mais on a des décors qui font penser à du Paris, parfois 1900, des choses comme ça. Il y a des mélanges d'influences comme ça. Un Paris noir avec des bouches de métro, des rues dévastées. C'est très réussi. Ok, ils sont partout et le problème de ces créatures, c'est qu'elles agissent très 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 vite. Et là, mon souci, c'est que je me retrouve à agir. Alors, de toute façon, il va falloir que j'y aille. Je vais en attaquer quelques-unes, mais je vais devoir être prudent parce que derrière, il va falloir que je sorte. Et le problème, c'est que vous voyez ici, elles vont toutes agir entre-temps. Là, c'est une vraie plaie. Surtout qu'avec ce personnage-là, j'ai pas forcément. Là, ça me coûte combien d'aller là à 17? Bon, ouais, autant faire le déphasage. Hop là. Alors, une entaille, ça va dégager celle-ci. C'est des personnages qui font pas spécialement mal, mais qui agissent très très rapidement. Donc, dès qu'elles ont un petit peu avancé, elles refont un coup et ainsi de suite. Pour l'instant, je vais être obligé d'attendre un chouïa. Voilà, c'est exaspérant là un petit peu. Mais je vais devoir compter sur mon gunslinger. Oh là là, ouais. La sortie est par là. Pouh. Ça s'annonce pas facile, facile. Je vais devoir faire des petits sacrifices. Ouais, je vais devoir faire même plus que des petits sacrifices. Je sais pas trop comment ça va se faire. C'est mon gunslinger qui va devoir y passer, mais. Je savais que c'était difficile. J'avais choisi de prendre trois personnages. Hein. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais forcément, trois personnages, ça rend les choses un peu plus compliquées. Alors, une petite chose aussi que je ne vous ai pas précisé, hein. Le comportement des ennemis n'est absolument pas aléatoire. Quand vous avez des documentations, on va dire, qui vous permettent d'un peu savoir comment ça se passe. Et qui décrivent le comportement des ennemis. Ils vont choisir en priorité tel ennemi ou tel ennemi. Donc certains vont à celui qui est on va dire, le plus éloigné sur la timeline. Donc ils vont prendre celui qui a le moins de chances de réagir. D'autres vont sur les plus proches. D'autres vont sur ceux qui ont le moins de vie. Donc ils ont des comportements prédéfinis qui, une fois encore, une fois qu'on les connaît, permettent d'un petit peu plus déterminer ce qui nous intéresse. Alors avec elle, faut que je fasse attention parce qu'elle n'est pas en bonne posture, mais là, le nombre psychique, c'est quelque chose qui est intéressant dans certaines situations, et ça pourrait me permettre, si je le vais là, onde psychique, c'est 35. Ça signifie que ça me mettrait à 85, il me faut donc un déplacement qui soit à moins de 35 pour être emporté. Donc, si je vais ici, je suis à 29, donc je suis relativement à l'abri. Je peux mettre une onde psychique qui est là. Et logiquement. Voilà. Ah, ça m'a pas suffi. Misère. Je vais rester un petit peu là. Finir le tour. Donc là, ça va commencer à attaquer. Voilà. Je suis fight. Ah, 41. Bon, c'est pas énorme. J'ai esquivé la deuxième attaque. C'est déjà ça. Tu peux aller à portée. Misère. Aïe, aïe. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a ce personnage derrière, mais il y a des petites choses que je peux faire qui vont permettre de m'en tirer, je l'espère. Aïe, elle prend cher. Elle prend très cher. Ça va être un vrai problème, ça. Là. Ouch. Et puis en plus, alors vous avez vu, hein, il y avait l'expression flanquer, qui est malheureusement un petit. Voilà, je vais essayer de faire ça. Lame éclair. Éliminer. Est-ce que j'ai besoin de l'éliminer en passant? Non. On va directement forcer par ici. Je vais essayer de faire un choix de retraite. Donc voilà, vous aviez vu, donc on peut, en fait, la position des personnages est importante. Alors là, je vais abuser de mes attaques. Un petit saut explosif qui permet de prendre de la distance tout
en faisant des dégâts au point de départ. Ça, c'est idéal pour se retirer. Et en plus, il me reste de quoi éventuellement... Ah, ça va pas être suffisant pour fumer celui-là. Ah, je vais plutôt essayer de me rapprocher là-bas parce qu'elle n'est pas du tout en bonne posture. Le plus vite possible, j'irai vers la sortie. Le mieux, ce sera. Et elle aussi, on va la rapprocher ici, à ce stade. Il faut que je m'en aille parce que les ennemis ne vont pas cesser d'arriver. Donc oui, la position des ennemis, dès lors qu'un de vos personnages est engagé en combat, il est figé sur une position et les attaques de flanc ou dans le dos vont conférer des bonus. Donc ça marche à la fois pour les alliés et pour les ennemis. Voilà, là je me suis pris un flanqué parce que celui-ci était à côté. Alors, est-ce que je peux... Ouais, je peux faire ça. C'est pas mal. Bon, je vais prendre ce risque-là. Hop, évacuation d'urgence. Donc là encore, hein, ça ce sont des choix. Vous pouvez évacuer comme ça rapidement, mais comme vous vous en doutez... Oula, lui, il est redoutable, faut pas que je laisse s'approcher trop. Vous pouvez évacuer rapidement, mais vous laissez vos... Aïe. Vous laissez vos alliés dans une situation difficile. Donc c'est bon, elle va pouvoir s'en aller. Aussi, je la sauve, et c'est important, parce que c'est mon personnage le plus balèze. En tout cas, le plus avancé. Même si elle n'est pas spécialement en forme. Donc encore un ennemi qui est généré. C'est pas grave, il est loin. Donc lui... Alors, je redoute un peu... Ouais, paralysé. Paralysé n'a pas tout à fait le sens qu'on pourrait croire. Donc ça, c'est une attaque, mais c'est pas grave. J'ai pris un chouïa. Mais c'est bon. Donc... Je suis vraiment paralysé. Aïe. Ça, c'est pas bon signe du tout. Toi, tu agis quand? Tu agis là. Ah ouais, non, là, je vais avoir un vrai souci. C'est toi qui agis là? Bon, je ne peux rien faire ici. Donc, ce que je vais faire, un petit coup d'estoc pour le dégager lui. Ah oui, il y a des stats de... je ne peux absolument pas bouger. Ce qui m'embête, c'est celui-ci, mais il réagit pas avant longtemps. Et lui, il réagit bientôt, donc... Alors, je suis obligé, j'aurais dû mettre le coup de bouclier. Je vais finir le tour, j'espère qu'elle va s'en tirer. Parce que la paralysie que m'inflige l'autre personnage est très embêtante. Donc en termes de mission, il y a ce type de mission. Il y a des missions où vous devez escorter une âme innocente. Alors soit pour la libérer, ce qui vous rapporte un type de ressource, soit pour la sacrifier, ouais c'est super sympa, ce qui vous rapporte un autre type de ressource qui est beaucoup plus importante. Donc c'est malheureusement souvent cette option qu'on va prendre. Est-ce que je peux bouger? Oui, je peux bouger. Yes, ça marchait pour un tour. Hop. Et la fuite. Et j'ai réussi la mission. Donc on a des missions comme ça, qui sont des missions où il faut survivre. On a des missions d'escorte, on a des missions de chasse, où là on a un nombre prédéfini d'ennemis à éliminer. Hop. Donc là vous voyez, j'ai tué des ennemis, j'ai obtenu une ressource qui s'appelle la Vitae. J'ai récolté des souvenirs, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Et mes personnages montent un petit peu de niveau, alors à intervalles réguliers, certaines montées de niveau vont booster vos caractéristiques, d'autres vont vous permettre de débloquer des skills, des aptitudes. Et bah, une fois que vous avez fait cette mission, on va un petit peu passer justement dans tout ce qui est évolution de personnage. Alors, premier point, des personnages qui ont été utilisés pour une mission sont épuisés, vous voyez, on a un petit zzzz, parce qu'ils sont allés se reposer. Donc, il faut gérer à chaque jour, vous avez plusieurs missions disponibles, quelles sont les missions que vous faites, combien de personnages vous utilisez pour réaliser ces missions, parce qu'une fois que c'est fait, ben, voilà, vos personnages vont être dans une situation de repos. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir donc, pour chaque personnage des compétences, comme vous voyez ici. Pour chaque compétence, vous allez pouvoir débloquer des souvenirs. Donc des souvenirs, ce sont des petits boosts que vous allez pouvoir attribuer. Et ces boosts ont un coût
Donc c'est la vitae, la ressource qui est là. Donc la vitae, ça vous sert à acheter, à activer ces mémoires. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Donc là, c'est un tir d'interception. Je n'ai pas forcément d'intérêt pour l'instant de dépenser des choses dessus parce que j'en ai à ce stade-là une utilisation qui est relativement anecdotique. Mais voilà, ça vous montre un peu le concept de la mémoire. Donc vous voyez, il y en a pour chaque attaque, vous pouvez en attribuer. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez les stats des personnages, donc comme je vous l'expliquais, qui vont monter. Et ensuite, vous avez les traits. Donc les traits, ça c'est un point qui est très très intéressant. Parce qu'en fait, ils se débloquent au fur et à mesure que vous jouez et en fonction de la façon dont vous allez jouer, de ce que vous allez faire. Donc il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc ça peut être par exemple des choses qui sont purement positives. Donc là, on a des dégâts contre les adeptes qui sont à plus de 10% parce que j'ai tué beaucoup d'adeptes. Mais on peut avoir des choses qui sont un peu plus tranchées, enfin un peu plus à double tranchant plutôt, comme arrogante. C'est un personnage qui, pendant mes premiers combats, ne prenait pas de dégâts. Et donc, elle a obtenu le trait arrogante. Donc, elle fait des dégâts critiques plus importants, mais elle gagne moins d'expérience. Donc, vous allez avoir un petit peu toutes ces choses, as de la gâchette, parce que beaucoup de dégâts et peu de ratés. Vous allez avoir des choses comme ça qui vont être ce que vous obtenez par ce personnage. Et vous allez avoir parfois des choses comme là, ce que vous voyez, l'âme d'harmonie. Ce que j'ai obtenu, comment? En sacrifiant un autre personnage pour nourrir ce personnage. Alors, le sacrifice, c'est là où on entre un petit peu dans le côté glauque du jeu. Il faut savoir que vos personnages, lorsqu'ils meurent, rejoignent le cimetière. Donc là, j'en ai quelques-uns sur ce run. Vous pouvez toujours créer des nouveaux personnages. Là, si je fais germiner une sœur, je vais créer un personnage. Ce personnage. Hop. Il va naître. Je vais déterminer sa classe. Je vais choisir. Et ce personnage, alors dans le cas présent, c'est un peu particulier. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Il va débuter au niveau 4. Mais normalement, il débute évidemment au niveau 1. Et c'est un personnage qui va être. Hop, on va prendre ça. Vous voyez, j'ai le nombre. Je vais prendre un troisième. Confirmer. C'est un personnage qui va être nu. Si je la prends, elle est candide. Elle est nue. Donc, elle n'a absolument rien. Elle n'a pas de trait. Ses stats sont basiques. Par contre, elle a une nouvelle compétence parce qu'elle débute au niveau 4. Ça, c'est un peu. Je vais prendre, et là, vous voyez, à certains niveaux, on a possibilité de choisir entre deux compétences. C'est les mêmes pour tous les personnages, mais ça permet de construire des personnages un petit peu différents. Donc, je vais prendre cette compétence-là. Donc, on peut faire en sorte que des nouvelles sœurs naissent, mais quand vous avez une sœur qui est blessée, comme c'est le cas d'Aimée, le seul moyen de soigner une sœur blessée, eh bien, c'est d'en sacrifier une autre. Donc, si je veux la régénérer, vous voyez, je vais être obligé de sacrifier une autre sœur, et pas n'importe laquelle, je vais devoir sacrifier une sœur qui a obligatoirement un niveau égal ou supérieur. Donc là, la nouvelle sœur que j'ai générée, qui est de niveau 4, je ne peux pas la sacrifier pour soigner celle-ci. Il va vraiment falloir que je monte une autre sœur jusqu'au niveau 7 pour pouvoir soigner ce personnage. Ce qui veut dire que désormais, à chaque fois que je l'utilise et donc que sa santé est basse, je prends un véritable risque. Donc, il faut essayer de faire en sorte de faire évoluer. Là, c'est le cas sur la plupart de mes autres personnages. Je fais évoluer des personnages, comme vous voyez, qui sont à peu près de niveau égaux. J'ai juste celui-ci qui est très en avance et qui, du coup, devient problématique. Et si, par exemple, je souhaite soigner Grâce, je peux le faire. Ce que je vais faire maintenant, on va la régénérer. Je peux sacrifier un autre personnage. Donc, il m'en faut un de niveau 5. Donc, on va sélectionner une sœur de niveau 5. Je vais essayer d'en prendre une qui. On va prendre Harmonie parce qu'elle n'a pas progressé. Je vais expliquer ça après. Donc je vais la sacrifier, Harmonie. Ça va me permettre de régénérer Grâce. Oui, je confirme. Voilà. Et elle est régénérée. Et qui plus est, l'intérêt, c'est que en régénérant Grâce. Si je vais dans ses traits, elle a récupéré l'âme d'harmonie. Donc plus 85 de dégâts et des critiques à plus 10. Donc c'est vraiment un système qui, entre guillemets, est positif. Le problème, c'est évidemment que j'ai perdu.
une de mes combattantes qui est au cimetière, heureusement, de façon très très ponctuelle, lors des missions de sauvetage, en fait, en sacrifiant les âmes innocentes, on peut récupérer cette petite pièce que vous voyez là. Et cette petite pièce, eh bien, elle va me permettre de ressusciter un personnage. Donc je vais utiliser l'emblème pour la ressusciter. Et elle va rejoindre de nouveau, hop, mes alliés. Donc le point positif, c'est qu'elle est toujours là. Elle a les traits qu'elle avait. Le point négatif, c'est que dans l'opération, je vais avoir perdu les mémoires, donc les petits boosts sur les pouvoirs. Ça, je le perds. Et si j'avais une progression qui était, comment dire, une progression qui était en cours, cette progression qui était en cours, là, vous voyez, par exemple, c'est en cours de progression au niveau 6. Là, Harmonie, elle est revenue à la base du niveau 5. Donc, j'ai une perte. Donc toute cette mécanique, ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle la progression temporaire. En parallèle de ça, j'ai une progression qui est globale. C'est-à-dire que même là, quand je vais aller au bout de toutes mes missions, que je vais tomber sur un boss, que toutes mes troupes vont mourir, que je vais échouer, que je vais devoir recommencer de zéro, je ne vais pas réellement recommencer de zéro. Ici, vous voyez, j'ai une dernière monnaie d'échange qui augmente à chaque fois que je fais des missions, à chaque fois que je fais des combats. Là, si vous voyez ici, donc ma prochaine réminiscence, quand je vais perdre, je vais gagner plus 300. Donc, j'irai au-delà d'ailleurs de ce que je peux faire. Donc, c'est ces éclats qui servent de monnaie, elles vont me permettre sur mon prochain run d'utiliser des souvenances. Donc, les souvenances, on les débloque en jouant et ça permet quand on commence une partie, de s'octroyer des bonus. Donc, il y a vraiment des chances, choses qui sont intéressantes. Par exemple, une des plus puissantes que j'ai débloquées actuellement, c'est quelque chose qui va me permettre de carrément passer une ère, c'est-à-dire de zapper un boss, zapper le premier boss si je le souhaite. Je dépense 100 et hop, je me débrouillerai, je me retrouverai directement au deuxième boss. Je peux aussi, ce que j'ai activé pour le run actuel, faire naître mes unités directement au niveau 4 plutôt qu'au niveau 1. On peut augmenter, comme vous voyez, augmenter les dégâts sur certains types d'ennemis, naître avec un bonus de vie, ressusciter directement, c'est-à-dire que quand vous commencez, vous pouvez tout de suite ressusciter une sœur qui est morte au combat. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans le cimetière, quand je recommence ma partie, j'ai les sœurs qui sont tombées précédemment, mais elles vont progressivement disparaître. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. Ça permet de ressusciter son unité la plus avancée si on veut la conserver. C'est toujours un atout pour des combats un peu difficiles. Donc il y a plein de petits bonus qu'on débloque au fur et à mesure de nos essais et qui vont nous permettre de faciliter le run suivant. Voilà, donc ça c'est la progression qui persévère, enfin qui reste d'une partie sur l'autre. Quand on a traité ces unités, quand on a acheté ce qu'on avait acheté, quand on les a équipées, ben on passe à la mission suivante. Donc là, j'ai un nouveau type de mission que j'ai jamais utilisé. Ce sont les réutiliels. Je ne vais pas vous montrer parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Et puis, ben, on enquille, on les fait, on peut, ou alors on peut passer au jour suivant directement. Mais dans ces cas-là, on ne récupère pas de ressources, on ne récupère pas de mémoire qui permettent de booster les compétences. Et donc, quand on dort, on passe au jour suivant et on sait qu'au bout d'un moment, on va devoir affronter un gros boss. Et les boss ont des mécaniques vraiment particulières. Voilà, je ne vais pas creuser la chose, mais je sais que le premier boss que j'ai eu avait des soutiens qui le boostaient en armure de façon absolument horrible. Donc voilà, c'était intéressant, c'était très bien équilibré. Moi, j'aime beaucoup le jeu, j'aime bien ses mécaniques, j'aime bien son système... on va dire, de progression persistante. J'aime bien tous les éléments qu'on découvre. Après, je vous avouerai que à ce stade, hein, je fais la vidéo un peu en amont, je donnerai mon avis final pour le test écrit. En amont, il y a des petites choses qui me laissent dubitatif sur le long terme. Bah, déjà, le style, comme je le disais, parce que ça uniformise beaucoup au niveau visuel. Donc, c'est très chouette. Mais bah, du coup, on va dire que... enfin, il n'y a pas des grosses variations d'ambiance visuelle. Et ensuite, parce que au niveau du codex, je m'aperçois que sur les tentatives que j'ai faites, j'ai déjà débloqué pas mal de types d'ennemis. Il me reste encore à découvrir un nombre non négligeable, plus des boss. Mais je pense que voilà, je vais en faire le tour. Après, il faut admettre que plus on avance et plus les ennemis ont eux aussi des compétences qui sont un peu plus violentes et qui peuvent peut-être changer les choses. Et puis, ben, voilà, il y a d'autres petits éléments que j'ai encore à découvrir. Donc, je vais essayer d'avancer
d'ici le verdict final du test écrit qui sera sur Gamerside. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une petite idée du jeu. Et puis, ben, pour le reste, rendez-vous sur le site pour le verdict final et puis pour d'autres tests et vidéos avec le reste de l'équipe Gamerside. Bon jeu à tous et à très bientôt!